waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pocket like a sack. Yep, les gens, c'est Verxius et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dofusstage. Donc j'espère que vous allez bien. Alors on va de suite commencer avec le concours de la dernière fois. Donc il y avait 500 000 kamas à gagner comme à chacune de mes vidéos à présent. Et celui qui a gagné est Paul-Emilien Djou. Donc il a laissé un commentaire sympathique. Le concours ça dit quoi? Ben ça dit Dida. Vous voyez, je demande juste des petits commentaires comme ça. Il y a eu une centaine de commentaires, une centaine de likes. Donc vraiment merci pour votre réponse. Il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont aimé ce concours. Déjà, il y a eu beaucoup plus de réponses que le concours 5 millions de kamas à gagner. Et donc, du coup, merci à vous. Et pour les kamas, je vous ne l'ai pas montré en vidéo parce que Paul-Emilien Diouf ne m'a pas donné son pseudo sur le serveur Oshimo. Du coup, je ne peux pas lui donner les kamas. J'attends qu'il me réponde. Donc, du coup, dans une des prochaines vidéos, vous aurez la vidéo juste avant l'introduction comme quoi je lui donne les kamas. Aussi, je devais vous sortir une astuce Kama il y a à peu près une semaine, mais le problème c'est que j'ai eu un problème de droit d'auteur. Du coup, j'ai dû supprimer ma vidéo et il faudra que je la refasse. Et j'ai un peu la flemme pour l'instant de refaire exactement la même vidéo. Du coup, je vais vous sortir d'autres astuces Kama en attendant. Je vous la sortirai peut-être dans une semaine. Et des maps secrètes et des anti-arnaques. Donc voilà. Du coup, je relance immédiatement un concours 500 000 Kama qui sera à gagner donc dans une semaine. Il se peut qu'il y ait des retards comme le dernier concours si je n'ai pas eu le temps de faire les vidéos, si je ne trouve pas la personne si la personne ne m'a pas mis son pseudo. Et pour ce concours, vous devrez laisser un like, un commentaire et vous abonner. Donc je vérifierai tout ça avant de vous donner les Kama. Aussi, mettez votre pseudo dans le commentaire et ne mettez pas je participe, sinon YouTube vous met automatiquement dans la catégorie spam et votre commentaire est supprimé. Donc mettez vraiment un commentaire sympathique comme une petite blague ou une petite devinette ou ce que vous voulez. Du coup, pour cette astuce, enfin ça ne va pas être une astuce maintenant, on va passer au sujet de la vidéo. Ça va être les maps secrètes. Donc je vais continuer cette série. J'avais commencé avec un petit glitch pour aller sur une map. D'ailleurs, je crois pas qu'ils l'ont patché encore en Kama. Ils n'ont toujours pas patché mon glitch qui a atteint maintenant les plus de 10 000 vues. Hein. Et c'était un glitch pour aller sur une map qui est normalement accessible uniquement avec des quêtes. Et cela vous permettait de poser un percepteur sans que personne ne puisse voir qui avait votre percepteur et personne n'essayait de récolter les ressources qu'il y avait sur votre perco. Du coup, vous pouvez le remplir entièrement et vous faire énormément de Kama et d'XP pour votre guild. Du coup, là, on va découvrir d'autres maps secrètes. Donc, soit vous pourrez poser des percos, soit vous ne pourrez pas, étant donné que certaines maps secrètes ont l'impossibilité de se mettre en mode marchand ou de poser un percepteur. On peut ne faire aucune action dessus, mais certaines, on peut. Donc, la première, on ne pourra pas. On va se rejoindre directement à l'atelier des cordonniers de Bonta. Et par contre, alors pour ce glitch, pour cette map secrète, vous allez devoir enlever votre drago d'Inde. Hein, donc, c'est normal. Regardez. Si je le mets avec ma drago d'Inde, il va me dire impossible d'entrer dans une demeure en restant sur une monture. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait certaines des maps secrètes comme ça, qu'ils ne les ont pas fait en sorte qu'elles servent à quelque chose, mais qu'ils les ont vraiment cachées. Là vous voyez cette petite map qui est assez sympathique. Donc là vous ne pouvez pas te poser de percepteur, donc je vais acheter une potion pour vous montrer. Hein. Ah oui, au niveau des kamas, je suis à 27 500 000. J'ai pas avancé. J'avais pas envie de jouer tout simplement, du coup j'ai pas, je me suis pas fait de Kama. J'ai 3 millions de Kama en item dans ma monture. Il faut que je les FM pour les mettre en HDV, mais j'ai un peu la flemme, du coup je le ferai peut-être dans la semaine, mais je verrai. Faut que j'ai le temps aussi. Du coup là on va essayer de poser un percepteur. Vous allez voir, on ne peut pas normalement. Action impossible. Alors attendez. Ouais, voilà, hein, vous n'êtes pas autorisé à poser un percepteur sur cette carte. Donc là c'est une petite map sympathique si vous voulez y aller pour vous rejoindre dans votre guild ou tout simplement que je sais pas, si vous faites ce que vous voulez avec. C'est juste pour vous montrer des petites maps secrètes. C'est le sujet de la vidéo. Donc maintenant on passe à la deuxième map secrète. Donc les gens, pour cette deuxième map vous allez devoir vous rendre à Astrub, à la taverne. Donc je vous montre directement sur la carte du monde. Donc voilà, c'est normalement il y a tout le monde qui connaît cette map. C'est deux maps en dessous et une map à droite du zap d'Astrub. Et vous allez devoir, vous voyez là il y a une petite salle ombragée. Vous voyez qu'on ne peut absolument pas y aller. Et pour cela, pour pouvoir y aller, vous allez devoir cliquer sur cette petite bougie. Donc pas celle de droite, celle qui est à gauche là en haut. Vous allez cliquer dessus et ça va vous ouvrir une porte. Donc c'était une porte cachée. Vous allez rentrer dedans et voilà, vous avez votre map secrète. Donc là pareil, je pense pas qu'on puisse poser de percepteur hein. Du coup quand vous ouvrez la porte, ça ne va pas faire que pour vous, ça va le faire pour tous ceux qui vont être présents.
Donc attendez, je vais essayer de poser un percepteur. Normalement on ne peut pas, vous voyez, vous n'êtes pas autorisé à poser un percepteur sur cette carte. Donc c'est assez dommage. Alors attendez, on peut soit aller à gauche, soit monter dans les escaliers. Alors quand on rentre, ça cache la... Quand on rentre, ça cache la porte aux gens. Alors ça, je savais pas. Ah ouais, donc du coup, en plus, il y a une deuxième map dedans. Donc ça, c'est pas mal du tout aussi, si vous voulez commencer une vidéo ou vous-même, si vous voulez faire un cache-cache avec vos potes ou quoi que ce soit. C'est assez sympathique, une petite map secrète comme ça. Donc on va passer directement à la troisième map. Alors pour cette troisième map, vous allez devoir vous rendre au ZAP du coin des Bouffetaux, donc qui se trouve à McNall Village. Donc je vais vous montrer de suite tout ça. Donc voilà, ici. Vous voyez, à côté du temple Roublard, là il y a le zap à McNall Village. Et là il y a le zap du coin des Bouffetaux. Et vous allez devoir vous rendre en 5,1. Donc là j'ai encore 5 maps à faire, on va les faire ensemble. Et ensuite vous allez devoir cliquer derrière un buisson qui va vous rendre dans une map où il y aura un phénix. Alors je ne sais pas si on peut s'y rendre quand on est mort, hein, parce que quand on n'a plus d'énergie, on se trouve en fantôme et il faut rejoindre un phénix pour pouvoir se réanimer. Alors je ne sais pas si ce phénix fonctionne, je ne crois pas. Du coup... Ouais, on a encore deux maps à faire. Ensuite, on va cliquer derrière ce buisson. Hop, encore une map. Voilà, donc là, vous avez juste à cliquer derrière en haut à droite, là, et ça va vous découvrir une nouvelle map. Hein. Alors, attendez, hop, voilà. Donc là, je suis dans la map secrète, donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Alors, je pense... je pense pas au Phoenix, on n'a pas le droit de poser les percepteurs, si je me trompe pas. Ils sont dans toutes les maps secrètes, il y en a très très peu où on peut poser des percos. Ah ben voilà. J'ai pu poser un percepteur. En plus, vous voyez, ma guilde n'a plus d'alliance. Hein. Je l'avais vendu 12 millions. Alors, je sais même plus s'il y a le meneur. Ouais, le meneur, il est encore là. Je sais même plus ce qu'il fait de la guilde. Hein. En plus, il a des enclos, mais il met aucune dragodinde dedans. Je vais peut-être essayer de lui racheter. Je sais pas. Vous ne pouvez pas partir de la map. Hein. Vous pouvez rentrer dans cette maison, je crois. Ah non, voilà. Il faut un code. Ah, ça, c'est pas mal du tout. Cette maison appartient à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a sa maison réservée. Dans une petite map secrète avec son petit phénix. Ah ouais, cette map est vraiment pas mal du tout. En plus, il y a quelques bois là, vous voyez, il y a de l'ébène, etc. C'est pas mal du tout. Donc voilà les gens, donc c'était la dernière map de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager. De toute manière, si vous participez au concours, vous devez faire tout cela. Donc voilà, donc si mon commentaire vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires en même temps que le message du fait de votre participation. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Donc allez, ciao ciao.